King Julian style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau défi du jeudi. Celui-ci portera sur la démo de Intravenous. La dernière fois, nous avions réussi à nous infiltrer en mode Splinter Cell, des façons les plus discrètes pour éliminer toutes nos cibles et accomplir nos petites tâches et missions. Cette fois-ci, on va y aller en mode bourrin. On va s'équiper de telle façon à ce qu'on fasse tout péter. On va essayer d'être par le coup le moins discret possible, alors sachant que nous sommes toujours sur la démo, mais le jeu sortira le 26 juillet, donc la semaine prochaine. J'ai déjà ma petite clé pour le jeu, je l'ai toujours pas installé et essayé, mais on se fera une petite découverte à ce moment là quand celui-ci sera sorti, car pour le moment c'est sous embargo. Donc c'est pour ça qu'on profite de cette petite démo. Donc c'est parti, on va se lancer une petite game dès maintenant. Ouais, ok. Démo level, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, ouais, là, il y a toujours le mode de difficulté. Ah, je vais rester sur normal. Je pense qu'on avait déjà fait sur normal. Enfin, j'aurais pu en essayer d'autres, mais bon, on va y aller mollo lastico. Ouais, presque tout continue. Ok, donc on est toujours là. Les weapons, donc on va déjà s'équiper, parce que là, j'ai absolument rien mis. Donc déjà, on va se prendre des grenades. Ici, je vais mettre des claymores. Mais je suis pas sûr que... Ouais, je peux peut-être prendre le taser ou le couteau. Parce que je peux le lancer. À moins que je les tase. Hein. Après, qu'est-ce que... Un petit magazine ou plus de magasins pour les munitions. Ouais, si on est en mode bourrin, je peux peut-être prendre des munitions en plus. Alors, ça me semble pas mal. Concernant les armes... Ah, celle-là, elle est bloquée. Et celle-là aussi, je sais pas s'il faudrait que je les ramasse pour les débloquer ou si elles sont juste bloquées parce que c'est la petite démo. Ah, je vais quand même rester sur un... Ah, je vais prendre celui-ci déjà. Ouais, je vais prendre celui-ci. Il y a plus de munitions, comme ça, on sera bien. Et maintenant, je vais passer à ma pétarade. Soit je prends la K... J'ai peut-être testé l'AK, puisque celle-là, on l'avait déjà pris, donc autant prendre l'AK. Quoi qu'il y en a d'autres en bas. Ah, il y aurait le shotgun ou... Un tranquillisant. Ouais, bah ça, c'est si on veut être en mode Splinter Cell. Remington. On va essayer de voir les dégâts. Là, c'est le bruit que ça fait. Ah, je vais peut-être... Ouais, je vais rester sur l'AK. Et puis, bah écoutez, ma foi, on va... Ah, on va se blinder. Et puis on est parti. Alors je serai moins mobile par contre. J'ai peut-être équilibré la donne. Et je vais prendre celui du milieu. Eh bien écoutez, c'est parti. Hein. Donc là, on est équipé. Alors je vais me passer cette petite phase pour sortir. Et puis on se retrouve dès qu'on est sur le terrain. Ok, j'ai fini mon petit entraînement. On va aller se rendre. Ouais, espace. Alors on va se rendre ici, puis on va lancer la mission. Ok, c'est parti. Ouais. Ok, monsieur. Alors, je sais plus si j'ai un mode night vision. Il me semble que oui. Donc faut que je prenne. Par contre, ouais, je suis pas très rapide. Il va falloir que j'use de mon petit sprint pour me déplacer un peu plus rapidement. Ok. Complexe abandonné. 18 novembre. Minuit 5. Ok, c'est parti. Ok. Donc, ils sont tous là. Alors, je me laisse... Allez, on va se dire... déjà, le temps que je reprenne... un petit peu mes bases. Donc une petite partie d'échauffement. Et après j'ai une seule chance pour mener à bien cet objectif. Donc là normalement on est tout équipé. Donc ça sert à rien que je change. Je vais confirmer. Et puis on est parti. Donc neutraliser les ennemis. Il y en a 17 à neutraliser. On va déjà passer par ici. Ok, alors là je suis allongé. Je sais plus comment je...
Ah ouais, avec la molette, je peux jauger ma vitesse de déplacement. Mais par contre, j'aimerais bien switch d'arme. Voilà, si je fais 4, voilà. Je vais prendre des petites claymores. Je vais en installer une. Putain, je me fais déjà shooter. Voilà, faut que j'arrive à la poser. Ah merde. Ah bah je suis mort. Ok. Ah, je sais plus comment poser mes claymores. Ce qui va être un peu problématique. Donc vous voyez, j'ai besoin de retrouver un petit peu mes repères. Donc là, je l'ai prise, mais je sais pas comment la poser. Ah merde, je l'ai mise, mais je me suis fait péter dedans. Ok. Ok, donc ça se trouve, tout à l'heure, je l'avais déjà posée. Ah, ok. Ok, les gènes. Bon, bah écoutez, là, c'est parti. Hein. Cette fois, c'est la bonne. Ah, je sais pas s'ils seront amenés à rentrer ici. Là, c'est une fenêtre. Ouais, je vais passer par ici. Et je vais foutre une clé mort ici. Et je vais en foutre une autre. Peut-être là. En espérant que ça les met. Putain, je me suis fait péter dedans. Mais vous êtes sérieux ou quoi, les jeunes? Ah, j'espère que ça va me la mettre dans le bon sens. Ok. Je vais essayer de faire gaffe maintenant. Ce serait peut-être bien. Donc, je vais en foutre une là. Et je vais partir d'ici avant de me faire péter. Et je vais en mettre une autre peut-être ici dans le coin. Je vais la mettre là. Voilà, merci bien. Ok. Donc maintenant on va essayer de se faire péter tout ça. Sachant que j'ai mes petites grenades qui sont en 3. Ouais, elles sont en 3. Ah, j'ai cru qu'il y avait un méchant là. Ok, là, il y a une arme au sol. Allez, venez là. Voilà, là, ça en fait déjà 3 en moins. Je vais changer de zone. Voilà, merci bien. Je vais recharger. Ah, merde! Au-dessus. Putain, ils se sont pas pris mes claymores. Bah, faudrait que je m'en garde une pour mettre derrière moi au cas où et me couvrir. Donc là, j'ai plus le droit à l'erreur. Je vais quand même prendre une clé mort et la poser là dans le coin parce qu'il y a du passage. Je l'ai peut-être pas mis du comme il faut, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait que je la mette dans un petit recoin, un petit passage. Je vais la mettre là. Et on va y retourner. Cette fois-ci, faut pas que je me loupe et que je fasse gaffe derrière moi. Ok, donc là, il va y avoir du monde. Et au pire des cas, je vais faire 3. Je sais pas si je peux balancer une grenade. Ah merde. Ah, attends, faut que je me sauve. Ah merde, en bas, ok, bon, écoutez, on va se reconcentrer, il faut qu'on y arrive, hein. On est en mode Rambo là, 4 par contre, pose-moi une clé mort, je sais pas s'il va y avoir du passage par là, parce que là c'est bien dégagé, au pire des cas je peux, peut-être en foutre une... Je vais la foutre là. Et je vais en mettre une ici. Ah merde, derrière moi. Ah là, j'étais un peu gourmand. Pourtant, c'était bien parti. Hein. Allez, concentration. Bon là, je sais, j'ai un peu dépassé le quota, mais... faut que j'arrive à poser mes clés morts. Ah, je vais la mettre là et je vais vite partir. Je vais reprendre mon arme. Faudrait limite que j'en foute une. Peut-être ici.
Et je sais pas, ouais, si je peux balancer des grenades à l'intérieur. Ah merde, putain, j'étais en train de switch. T'es sérieux, Manon? Ouais, attendez, je peux peut-être même voir ça ici pour voir. Je sais pas si. Ouais, voilà, si je peux balancer une grenade à l'intérieur. Bon, sauf que là, je viens de tout faire péter. Voilà, ce qui est un peu compliqué. Ah ouais, parce que j'ai alerté tout le monde. Ok, bon, il suffit de bien viser à travers la fenêtre et justement bah, de ne pas se faire repérer, ce qui serait pas mal en soi. Ou du moins si je me fais repérer, que ça passe quand même. Bon, faut que j'arrive à me sauver rapidement. Je vais essayer de passer par là, tiens, pour changer. Vas-y, ouvre-moi toutes les portes. Par contre, referme-la parce que là, je suis bloqué. Là, il n'y a pas de passage. Ah, ok, donc là je me retrouve dans ma petite impasse. Je vais mettre ça ici. Et je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre par ici. Ok. Ah, là on est. On est bon. J'ai mis des clés mortes de chaque côté. Je sais pas si je pourrais jeter une grenade. Ah, je crois que j'en ai jeté deux. Là, s'il passe en bas, il pète. Ok, parfait. Oh merde! On était bien parti. 9 sur 17. Quasiment la moitié. C'est un peu dommage. Je sais même plus si j'avais des grenades sur moi. Je sais pas combien j'en ai des grenades. Ah, j'en ai que deux. Ok. Attends, on était bien parti. Bon, faut que je tourne et que je reste pas en place. Parce que sinon, je vais me mettre dans le caca. Donc, je vais déjà foutre ça ici. Putain, ça m'a acheté les deux directs, quoi. Ah, c'est chaud là. Ah, mais ouais, c'est chaud. Je me suis coincé dans un petit coin. Je me suis coincé dans un petit coin. Et puis ça me balance mes deux HE directs, quoi. C'est un peu compliqué à dans. Je vais truffer la zone. Et puis on va partir de là. Il faudrait que je la mette dans un coin là. Faut que je bouge. Ah merde, par la fenêtre! Oh putain, on va pas s'en sortir. Ah, je suis plus Splinter Cell que Rambo là, dis donc. Ouais, j'ai dépassé mon quota. Après, si je m'arrête maintenant, ça va pas être terrible quoi. La vidéo, elle va pas durer hyper longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser ça là. Par contre, faut que je fasse gaffe à par où je suis passé avec mes clés morts. Je vais peut-être en mettre une aussi ici. On va repiquer par en haut. Ok, il y en a qui ont pété déjà. Il va falloir que je reste aux aguets là. Ah ouais, mais vous êtes sérieux les jeunes. Ah, j'aurais dû balancer des HE. Ce qui est chiant, c'est que pour switcher, faut être hyper rapide. Ce qui s'avère pas forcément très fastoche. Ah, on était bien parti, ce qui est dommage. Ok, j'en ai mis une. Faudrait que je foute l'autre dans le coin là.
Ah, je sais que j'ai la night vision normalement. On va les mettre dans le noir. Vas-y, passe par la fenêtre. Ah, je vais me faufiler par ici. Je vais refermer la porte. Ah, c'est risqué si je sors, mais je vais le faire. Ici, on va partir de là. Ah putain, là, c'était mort. Eh quoi, qu'en même temps, j'aurais peut-être pu faire péter une HE ici, hein. Je sais pas si ce serait passé. Ok, on va se refaire une petite tentative. En mode bourrin, toujours, il n'y a pas de problème, mais... bourrin organisé. En pire des cas, faudrait que je les appâte tous dans un coin. Ouais, faudrait que je les attire. Ouais, c'est un peu... Ouais. Bah, le souci qui va se poser, c'est de réussir à les appâter dans un coin. Ok, bon, il y en a un qui vient de péter à la clé mort. Ok. On prend la fuite. Ouais. Donc là, tout est en place. J'ai plus de grenades et j'ai plus beaucoup de vie non plus. À quoi que ça remonte? Ça remonte au fur et à mesure. Ouais. On va quand même essayer de faire gaffe. Je crois qu'il y a du contact là. Ok. On va se refiler par ici. Là, ça peut peut-être le faire. C'est un peu tendu, passe par la fenêtre. Ah non, t'es sérieux, il m'a mis un coup de shotgun. Ah putain, je suis dégoûté quoi. Putain, saute par la fenêtre. Ok, merci bien. Merci chef. Ah, est-ce qu'ils vont péter? Ah, ma grenade. Si, c'est ma grenade, elle a pété. Je sais pas si ça a augmenté mon score en haut. Ah, ok, les murs. On est à 11 sur 17. J'ai mis une clé mort en haut. J'en ai mis une là, mais elle a pété. J'ai jeté une grenade pour les attirer. Je sais pas s'il y en a d'autres qui vont se pointer. Au pire des cas, je peux couper par ici. Ah, il y en aura un qui serait paumé juste là. Voilà, merci bien. Plus de 12. Je sais pas s'il y a moyen. J'arrive pas à jeter ma bottle que j'ai pris. Il y a du pipeau là. S'ils ressortent, faut que je les aligne. Là, je me fie au... Ah putain, je me fie au rayon de lumière. Il m'en restait deux seulement. Ok, les murs, on y croit dur comme fer. Alors, j'ai réussi à le terminer. Sauf que bon, ben... j'ai pas filmé toute l'action de bout en bout. Donc, on va essayer de rattraper ça. Ah bah, on va pas rattraper ça. Ok, on va essayer de rattraper ça maintenant.
Ce qui serait pas mal. Alors déjà, je vois qu'il y en a deux qui se pointent. Je peux peut-être essayer de me dépêcher de foutre ça là et de partir. Je vais peut-être ralentir mes petits pas. Et je vais peut-être me mettre ça aussi ici. Sachant que ouais, quand je l'ai fait, j'ai trouvé un petit coin sympatoche pour tous les exterminer. Mais je sais pas si je vais réussir à y retourner. Ok, ça va chier là. Ok, là c'est bon. Là, ils viennent de se taper ma clé mort. Oh merde! 6 sur 17. Ok. Donc faut essayer de refaire la même. Ouais, le petit coin là, il est sympa. On peut surveiller un peu toute la zone et tout. Faudrait que je me dépêche de réussir à prendre ça. J'ai passé de l'autre côté. Je pourrais même ramasser ceci. Je vais jeter ça de l'autre côté. Et on va essayer de se faufiler par là. Quitte à remettre ça derrière eux là. Comme ça, si jamais ils viennent derrière moi. Ah ouais, putain, ça a failli mal se passer. Ok. Faut que je fasse gaffe derrière moi. Ah merde! Et voilà, au moment où je dis ça, on en a 12 sur 17, il en restait plus que 5. Franchement, ça peut le faire en mode bourrin. Hein. Faut juste bien élaborer. Après, je pense que avant de s'attaquer à ça. Ah putain, mais prends-moi ma clé mort. On peut peut-être élaborer une petite stratégie de surveillance. Je vais jeter ça là-bas. On va repiquer. Je vais pas repiquer par ici. Quoique je peux déposer ça là s'ils me suivent. Là, comme ça c'est fait. Oh, merde. Je l'ai fait, Ah ouais, je suis mort dans la déflagration juste à côté de moi. Allez, franchement, ça passe là. Hein. Je fous ça derrière moi après. Alors par contre, le clic, ça a du mal à venir. Je vais mettre ça là comme ça. Je vais prendre ma petite bouteille au cas où. Pour le moment, il n'y a personne en haut. Ok, ok, on va remonter par ici. On va se faufiler. Je crois que là, je vais pas pouvoir passer, mais on va essayer de redescendre. Oh putain, j'ai failli louper. Hein. Oh, mais t'es sérieux, Mano? Putain, je tire à côté. Là, j'en ai eu 3. Je crois qu'il faut que je me teste pour me concentrer au mieux. Et je vous mettrai peut-être l'extrait de ce que j'ai réussi à faire. Ouais, je vais me prendre un petit truc. Ah ouais, en rentrant, il pète avec, quoi. Allez, venez dans la grenade, là. Ah ouais, mais sur le côté. J'aurais dû me redécaler, j'aurais dû en fumer un et partir. Par contre, ouais, faut que je fasse gaffe parce que s'il rentre à l'intérieur, vaut mieux que je la place ailleurs. Je vais peut-être refaire comme j'avais fait au départ. J'avais balisé un peu la zone. Je peux en foutre une par ici. Je sais même plus. Je crois pas que ce soit ce secteur-là, mais bon, bref. Je vais mettre ça là comme ça. Je vais faire gaffe à ce que celle-ci me pète pas à la tronche. Ok, là il sort. Ah merde, pas assez loin. Ah putain, dans mon dos. Ah, je suis allé trop vite et j'ai fait du bruit. Donc on va attendre. Je vais déjà prendre ça, me le foutre ici. Ah putain, merde. Je peux pas reculer plus loin. Vas-y, passe ici.
Ok, je peux me mettre là sinon. Oh mais t'es sérieux Mano? Putain c'était bien passé. Je sais pas combien on était là. Et je pige pas que l'autre il se pointe aussi rapidement là. Peut-être parce que je fais du bruit. Ok, ça c'est fait. Ah merde, je l'ai jeté derrière moi. Ok, ça a pété au-dessus. Alors, je veux bien que tu me remettes mon petit viseur. Ok, là-haut, ça a pété. Ok. Il en reste plus que 7. Là, je crois qu'ils n'ont pas été alertés par le bruit. Donc, il va falloir les chercher. Là, je peux pas passer. Ouais, je vais annuler, ça sert à rien. On va essayer de passer par ici, de faire gaffe. Where are you? Allez, on est en mode Rumble là. De toute façon, là, j'ai mes deux claymores qui ont pété. Je sais pas s'il y en a un autre là. Là. Ah, l'autre il est là. Oh non, 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 non. Ah, je me suis retrouvé cerné. Putain, j'aurais dû bouger, c'est con. On n'était pas loin. Je me suis laissé distraire par celui qui était, qui était en bas justement. Je pensais qu'il allait se pointer, mais on va refaire pareil. Hein. Tout à l'heure, je les ai attendus ici dans l'angle quand ils passaient et je les ai tous shootés comme ceci. Ah merde, c'est abusé. Je crois que je me suis fait péter avec ma greu. Allez, on est bon. Rambo est là. A few moments later. Non, mets-moi ça là. Ok, je vais me mettre bien dans l'angle. Allez, messieurs, dames, on vous attend là. Ok, je vais recharger. Faut que j'arrive à garder ma clé mort le plus longtemps possible. Lui, il me l'a fait péter, c'est pas cool. Ok, nickel. Bon, là, mes deux clés morts ont pété. Putain, j'ai cru que j'allais louper, là. Ma vie... il m'en manque plus que 4 là. Il m'en manque plus que 4. Ok, faut que ça revienne par ici là. Le truc est rechargé, c'est bon. J'allais dire ouais, je vais pouvoir en taser un, mais en fait j'ai pas pris de taser. J'ai pris des chargeurs de munitions en plus. Ah merde, y'en a un qui est juste là. Il m'en manquerait un. Oh non, 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 il m'en manquait deux. Ah putain, j'aurais dû cavaler direct et je l'ai vu arriver derrière. Putain, je suis dégoûté là. Ah, faut que je refasse pareil. Allez les jeunes, croyez en moi là, s'il vous plaît. Parce que là, le défi, faut qu'il soit accompli. Bon, je l'ai déjà accompli, mais à moitié sans vous, donc bon. Voilà, par contre, faut que je réaccélère mon déplacement parce que sinon, ça va pas le faire. Quitte à faire du bruit. Allez, s'il te plaît, monsieur, sort. Oh putain. Ok, mur. 15 sur 17. Ça veut dire qu'on peut encore le faire. Alors, je l'ai déjà fait entièrement. Enfin, je l'ai fait entièrement. Oui, je l'ai fait entièrement sans vous, mais j'en ai filmé que la moitié. Donc, parce que je pensais pas justement à réussir à le faire.
Donc ce qui serait bien, c'est que cette fois-ci, on arrive à se le faire ensemble. Là, il faudrait que je réaccélère un petit peu mes déplacements. En haut, ça s'est fait péter. Ah ouais, zut, j'ai jeté les deux en bas. Vas-y, décape-toi. Ah merde. Oh putain, vas-y, meurs. Heureusement qu'il était en train de recharger, là, c'était tendu. Hein. Ah, c'était tendu. Ah, faut que je me casse par là. On est à 12 sur 17. Et j'ai peut-être ralentir un petit peu. On va essayer de se faufiler dans les bâtiments et de repiquer en haut. Il y en a un. S'il y en a un qui passe la porte. Je crois que j'ai eu les deux. Nickel. Ça, faut que je le ferme. Ah, j'ai eu les deux. Je crois qu'il y en a un en haut. Je vais repiquer par ici. Voilà, parfait. Non, si c'est les deux derniers. Yes! Yes, 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 on l'a fait. Nickel. Fuck, weren't too willing to have a chat, but I got something for you. A phone, it's local, but I'm sure you can have your way with it. Ok, merci chef, alright. Get him back. Écoutez, voilà, j'espère que ce petit défi vous aura fait plaisir. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis si vous ne voulez pas eh bien, louper la suite de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sachant que le jeu sera disponible à partir du 26 juillet et à ce moment-là, eh bien, je vous présenterai le jeu dans sa globalité. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Excellent. Oh donc, il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil, un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.